Mafikitere nata ni mwana Eyangule Chefregare nzumbi la tikeyo Eyangule Mungila masini ni mouni bakila tokobe Eyangule Chemin de fer Congo-Ostillon, Brazzaville, Pointe-Noire, 512 km. Jusque dans la décennie 80, les Congolais étaient fiers et heureux de voyager par train. À l'ambiance des retrouvailles, s'ajoutait le confort des trains, appelé communément machine ou Michelin, la qualité des services offerts tout au long du voyage et la splendeur des paysages qui raccourcissaient les distances. Dynamique, organisé et efficace, le CFCO proposait une gamme variée de locomotives. Il y avait le train soleil, initialement désigné par VO ou voyageurs omnibus, le train express, la grande vitesse ou simplement la grande, qui stationnait à chaque gare pour mieux transporter les produits agricoles et les articles des commerçants. Ce train pouvait se donner jusqu'à 2 jours de voyage. On n'oublie pas le train marchandises, Airpool et plus tard, le train bleu. 25. Merci. Avec des techniques rudimentaires qui consistent pour les chefs de gare à se passer les anneaux avec les conducteurs, les accidents se faisaient rares sur le chemin de fer. Et chaque passage de train dans une localité réveillait de bons souvenirs. Ça c'est mon village, là, c'est mon village. C'est Madia Kondamamou qu'on l'appelle. Il est bien. Côté. Au-delà d'une simple ligne qui relie les deux extrémités sud du Congo, Pointe-Noire et Brazzaville, le chemin de fer Congo-Océan était un véritable outil de brassage culturel, de découverte géographique qui a inspiré de nombreux groupes musicaux comme Komira de Makabana, affilié à la Comilog, Super Timbissa de Matumbu, localité du Poule au bord des rails et Ballet les Anges avec Clotaire Kimbolo Didoulé, conducteur de train au CFCO. Le rayonnement du CFCO a aussi inspiré le secteur du football jusqu'à susciter la naissance de l'équipe As Cheminots. Il faut dire que les travailleurs du CFCO, aidés par les agents de la force de l'ordre, accomplissaient leurs tâches avec dévouement. Avec des voitures, menus des couchettes, bars et restaurants, voyager dans le train était une véritable fête sur le CFCO. Eyangule.